Ça, il est où, Lennon? Il est juste au-dessus. Allez, tant pis, je suis en parachute. Fuck a ride, no pussy! Il va falloir régler ce... Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Phantom Hope Games, encore une fois, pour le raid de la semaine, le cambriolage, le cinquième jour sans pitié avec l'équipe de choc incroyable en compagnie de Fanta. Bonsoir Fanta. Salut à tous les amis, ici Fanta de Crâne, plus connu sous le nom de Fanta, le mien et mon masque, et je suis en compagnie de Spaceman et d'Unitan. Salut les deux. Hey. Les deux, on est si à moitié. Les deux, voilà, c'est ça. Décollez-vous. Non, on fait ce qu'on peut. Oh mon dieu, j'essaie de trouver des capotes roses. Il est en plastique, le mec. C'est ça. Il y a aucun moyen. Tu prends cagoule. Je suis parfait comme ça. Je suis garanti. Je garde tout ça. Bien sûr, je vais essayer de prendre la voiture nocturne la plus ultime. Et puis on est bon. Écoute, hein, sans pitié, on va y aller comme ça. Sans aucune forme de pitié. Alors du coup, la mission aujourd'hui, ça va être apporter le dispositif EMP-IEM au laboratoire humané pour qu'il puisse être déclenché pendant le raid. D'accord, donc on va placer la bombe électrique en fait. C'est ça. Exactement. La bombe électromagnétique. Du coup, c'est du stealth et il n'y a absolument pas d'autre option. Enfin, à ma connaissance, soit le stealth, soit ça. Non, il faut le stealth. D'accord. Et bien on y va en mode full discrétion, chers amis, c'est pas gagné d'avance. On y va avec Jason, le masque de Jason de hockey, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Ouais, je pense que c'est un peu fataliste sinon. C'est vrai. Oh oui, c'est vrai. En tous les cas, on invoque l'esprit de Tupac. Un peu de rap, c'est bon. C'est ça. Pour la discrétion, on repassera, tu me diras. Mais regarde les voitures qu'on a. La discrétion de ces voitures, chers amis. Les mecs, c'est les voitures du civil. Discrétion. Quoi. Allez, je monte à bord de chez Space. Je sais que c'est moi qui filme, mais j'en ai marre. Je veux me mettre un peu en vue intérieure et profiter. Ah, ben si c'est du nick, ça va. Moi, j'ai plus de ping quand même. Alors, c'est parti. Allez, vas-y. Ah ben ça commence bien, voilà. Ah bah bravo. Là t'es stealth là. Là j'aime. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens en joue Space. J'ai voulu prendre un raccourci, je me suis planté quoi. Je tiens en joue Space avec un pistolet à fusée. Je suis un fou. C'est dangereux. C'est très dangereux. Oh! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Space, t'as intérêt à gagner parce que sinon je te castre avec un pistolet à fusée éclairante. Au moins, tu seras lumineux comme ça. Oh. Allez, vas-y, on est repassé devant. Vas-y. Attention, la route est glissante. Et là, il faut faire une blague sur sa femme et ce qu'elle lui dit. Ah ouais, elle est vraiment glissante. Ce serait bien la première fois. Je ne sais pas, je sais. Oh merde! Non, il nous double. Putain. Alors, c'était bien une mission stealth. Hein. Et en traître, tu le touches. Hein. Putain. Oh. Le civil qui s'est tamponné en front. Je sais. Je m'en vue intérieure, c'est pas évident. Oh, j'ai cru que je les avais eus là. Putain, ils ont pris trop d'avance, coupe! Oh putain! Vas-y, coupe! Ouais, c'est parfait! Oh putain! Oh putain! Et il s'acharne! Mission impossible! Vas-y, prends le raccourci! C'est celui où il tourne en boucle avec la Porsche ou je sais pas quoi. C'est ça? C'est n'importe quoi là! Michael Bay sponsorise. Oh putain, on a pris une avance de ouf. T'as la ligne droite. Vas-y, fonce. La meilleure sonnerie du monde. Attends, je vais leur mettre un pain. La petite bombe collante. Eh mais ils trichent. Bah non. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, touché. Oh merde, raté! Tiroine sort de ce corps! Ah attends, mais ils sont séparés! Oui! Oh mon dieu, pas ensemble. Le Kage Bullshit nous chie dessus!
saison 42 de Naruto. C'est ça. Course poursuite en voiture. Le drive bite, c'est un coup de kunai. La Hinata avec les tatouages de Rakai, tu sais, les vrais tatouages de gang. Hinata version Harley Quinn. Ah bah, on a tué un redneck. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. Ah bah, c'était ça ou la crise de foi. C'était ça ou le caribou. Non, pas la fleur. Ah oui. Ah oui. Oh. Ah non. Fais pas la même. C'est bon. Bien joué, bien joué, Space. Ah, bien joué. Ah là, je suis fier de toi, là, je suis fier d'être. Joué à Grand Bourismo. Ah là, je suis fier d'être un ninja de Konoha, là. Ah, raté. Putain. Attends, on se stabilise. Stabilise, stabilise. Ah. Putain. Heureusement qu'il pleut, hein. Bien joué. Heureusement que le sol a amorti sa chute. Et il roule, va. Oh putain. Mais non, mais coupe pas là, on est à 30 mètres. Oh le mec. Oh, ça veut faire son pied. Bon. Pas mal. J'ai plus aucune munition de fusée éclairante, mais on s'est bien amusé. Allez, ce coup-ci, c'est moi qui conduis. Oh merde. Par contre, du coup, il va falloir les attendre. Oh merde, il y a l'arrière du camion qui prépare un Kamehameha, pas... mec. Ouais. Je suis pas prêt d'arriver, hein. Regarde ça, Gypsy 974 qui arrive. Il t'emmerde. Allez, monte, va. Tu sais qu'il faut pas chercher les gitans. Faut pas chercher le Dark Fanta. Un Fanta version gitan, j'avoue, ce serait ultime. Ce serait invincible. C'est clair. Hein. Mec, mets des patates de la forêt, mais des patates de forêt, mais de réunion. Chercher, parce que moi, je suis à ça. Je viens de chercher. Ah, il est à pied. Oui, j'ai perdu mon véhicule. Oui, on a réussi à... Ouais, bon, bref. Tu vois, est-il qu'on a gagné. Voilà. Attention, attention, non. Mais t'es fou. Mais si, tout va bien. Regarde, tout va bien, tout va bien. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Bravo. Tu sais qu'à l'instant... Voilà, ça y est. Tout va bien. Ah, voilà. Tout va bien, tout va bien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Faut tout recommencer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est cette course poursuite de merde. Je n'ai pas ma zone terno pour la faire, sans déconner. Je suis innocent. Je suis innocent. Allez, à tout de suite. Je te hais. Je crois que pour 4000, je peux passer tout. Ouais, mais on va le faire. On va le faire, ouais. Ouais. Je crois qu'on faut pas qu'on se mette à la non, regarde, non, c'est instant, regarde. Tac, tac. Ah, grâce à qui, et voilà. Et voilà, et grâce à qui, voilà, quand on veut être marin, faut savoir se mouiller. Du coup, Jimmy est téléporté instantanément sur les lieux du fail. Des vainqueurs. Exactement. Du crime. Lieu du crime. Regarde. Non, tac. Sortez les battes, les mecs. Les battes de forain. Oh merde. Bah. Bah, monsieur, je vous demande de calmer ce que vous faites. J'ai cru que ça en avait calé une. Oh, miséricorde. Ah merde, c'est pas moi qui compte. Allez, montez les mecs. Ok, vous êtes. Ah, vous avez vu, il y a la fille derrière. Allez, tu te mets à l'arrière avec tu vas choper le cancer avec les radiations. Le mec, il monte dans la voiture, il est normal. Il descend, il a un troisième bras. T'sais. C'est con, il aurait pu avoir une deuxième. Pardon. Oh. Ça servira à rien. Ça sent le talent, ça sent le talent à la conduite. Hein. Donc voilà, toute cette semaine, chers amis, on vous aura fait ces vidéos de braquage. On aura préparé un casse juste pour le samedi, tu vois. Bien. On s'en aura mis bien à Golden. Enfin, je sais pas si tu les mets pas à partir de demain. Je sais pas comment tu gères, mon franchement, mais. On verra. Mais dans l'idée, voilà. Ça dépend à quelle vitesse tu les envoies, Bob Bisou. Oh, le mec, il trash. Je reprendrai une coupe de passif agressif, s'il vous plaît. Peut-être l'année prochaine. Merci, mais je n'ai plus faim. Il est où l'épisode 400? Vieux chien, l'homme qui le poignardait, son frère. Oh putain, aux éditions Lacoste. C'est pas des vraies éditions. Je cherche pas, je suis fatigué. Oh putain. Je suis fatigué, j'ai un pistolet de détresse braqué sur du lit. Alors vous me respectez, s'il vous plaît. Waouh, c'était qui ça? Je sais pas. C'est plus vraiment un problème, du coup.
toute la famille, on a roulé sur toute la famille. C'est clair. Bon, on va au laboratoire Humanos. Allons-y. Si tu fais ce que Duny Space te disent de faire, ça devrait bien se passer. C'est le laboratoire, ils font les stéroïdes pour Hulk Hogan. C'est comme ça que j'ai réussi la mission. À droite, à droite, à droite. Oh putain. Oh miséricorde. Les stéroïdes pour Hulk Hogan ? Moi j'aimerais bien, tu regardes dans un microscope. C'est vitamine, hein, non. Ouais, non, mais tu regardes dans un microscope, quoi. Tu regardes les vitamines, elles ont des têtes d'aigle américain, tu sais. T'as l'ami de la vitamine, elle est en train de faire des push-ups sur une autre vitamine. Tu fais un zoom, la vitamine elle se drogue aux stéroïdes elle-même. Tu vois les vitamines qui s'injectent un truc. Ah putain. Oh, ce serait tellement débile. Que quelqu'un fasse ce dessin animé, s'il vous plaît. Que quelqu'un fasse ce dessin animé. Je sais qu'il y a eu un dessin animé sur Chuck Norris, mais est-ce qu'il y a eu un dessin animé sur Hulk Hogan, quoi, s'il vous plaît? Il n'y a pas une série avec Hulk Hogan dans un bateau? Oh putain. Putain, oula, tu remontes c'est toi, hein, ça. J'ai déjà vu Hulk Hogan dans un dessin animé, ça c'est sûr, mais je sais pas si c'était un dessin animé où il était le héros. Oui, évidemment, voilà, c'est pour ça. Mon dieu. Moi j'ai déjà vu le show télé-réalité Hulk Hogan, qui était nul à chier d'ailleurs. Ouais, avec sa fille. Oui, ouais, il marche pas sur sa fille. Ça part tellement en sucette. Et elle se dévergonde au fur et à mesure de la série. Mon dieu. Ou son fils, qui veut devenir pilote de course professionnel. Premier jour d'essai, il fout en l'air une Lamborghini. Ah, mais c'est pas pire que la famille Ozzy Osbourne. Attends, tu dis pas pire que la famille Ozzy Osbourne, mais 98 000 dollars de réparation pour le premier jour, moi je trouve ça pire. Hein. C'est pas mal. Ça fait beaucoup de stéroïdes, 98 000 dollars. Ok, ça va. Ok, il y a un flicos à l'entrée. Ok, j'ai rien vu, ok. C'est pas grave, c'est moi qui filme, mais je ne fais rien de professionnel, chers amis. C'est normal, vous êtes sur Fantabob Games. Ici, on est alors artisanal. Le mot important, c'est anal. Faut marcher silencieux. Ouais. Là, il faut sortir les silencieux, alors. Les fusils de précision silencieux. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a une voiture qui fait une ronde, mais c'est un insurgent, donc on peut pas péter la vitre. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on peut, mais en tout cas, quand on avait essayé, nous, le temps qu'on tue le gars, ça sonnait l'alarme, et puis, Freedom Vous venez time, pourquoi donc... vous passez par le haut? Alors, parce que le mec là-bas, c'est un Jedi, en fait. D'ailleurs, si tu marches dans le caca des pigeons, il va t'entendre. Et du coup, il va alerter tous les États-Unis d'Amérique. Donc, en fait, il faut marcher super doucement, il faut aller pas comme ça. Et se planquer derrière le mur, en fait. N'oubliez pas de mettre votre masque, bêtement, je l'ai pas fait, moi, mais je viens de le faire. Alors, il y a un autre gars qui fait des rondes, là-bas, voilà. Attends, il y a un mec qui vient, là. Putain, il vient vers nous, ouais. On fait quoi, on le pigeonne? Non. T'es sûr, il est pas dans l'angle de personne, là. Oui. Là, on va avancer, en fait. Il faut laisser passer la voiture, en fait, priorité. Alors, il faut pas être derrière le buisson. Ouais, il faut être derrière. C'est en fait c'est la zone la plus safe. Hein, ouais. Mais peut-être, effectivement, que depuis le temps, il y a des gens qui ont trouvé beaucoup mieux. Mais pour le coup, là... Et faites gaffe, quand vous sortirez de couverture, vous ne serez plus en stealth. Pourquoi ouais. Duny, il fait n'importe quoi? Non, en fait, Duny, il va aller sniper un gars. Ce qui va faire qu'il va se rapprocher, et en fait, quand tu te rapproches de la barrière là-bas, ça trigger la voiture. Normalement, elle doit être donc, comme une bonne féministe, elle va se mettre à rouler sur tout ce qui bouge et elle va sortir. Voilà. Attention, on va avoir des problèmes. On va avoir tellement d'emmerdes avec ces conneries. Ah, c'est gratuit. Et du coup, une fois qu'elle sera passée, on pourra aller foutre la merde comme bon nous semble. Parfait. La merde. Écoute, parfait. On fait quoi? On lance une grenade là du coup? Non, on attend la bagnole. Merde. La grenade silencieuse, c'est toujours l'explosion, mais y a pas de bruit. Ça fait un bruit de paix, tu sais. Ok, c'est ça, donc le UPV, il est ouais. En train de passer, très bien. Ah, c'est pour ça qu'on pouvait pas sécher le mec là sur la route plutôt. Ouais, voilà. Okay. Sinon, il le voit et puis. Donc il part là, il se casse. Ouais, il va se barrer dès qu'on va attendre un peu. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir dessouder le gars qui est là-bas, là, qui fait la ronde vers le parking. Vers nous là? Et. Ouais. Celui qui est là, tu vois, il tourne.
Ok, ok, c'est facile. Alors, silencieux. Attends, attends, attends. Je l'ai. Si je puis me permettre, j'ai un sniper. Eh ben... Je suis en superposition, enfin en surexposition. Je suis plus haut. Sur dès que tu es là-bas, vas-y, abat-le, écoute, quand tu. Et bon, il est mort. Voilà. Ok, donc là, on a dessoudé le gardien aussi. Très bien. Et on avance doucement. Hein. Ouais, doucement. Ouais, ouais. Là, il vaut mieux prendre son temps. Mon, parce push, que... mon push to talk, c'est aussi pour courir, donc je vais devoir être un peu silencieux. Oh, le jujitsu, quoi. Alors. Bah, là, on a tout le temps qu'on veut, en fait, parce que la voiture ne revient pas. Sauf s'il y a eu un patch ninja. Faut juste se synchroniser pour les tirs, en fait. Voilà. Je cavale un peu quand même. Là, il y a 3 mecs, si je dis pas de bêtises, ou 2. Non, non, il y en a que 2. Il y a le mec qui regarde la roue comme un débile. Attends. Alors faut que tu choisisses lequel tu vas... Lequel on abat, les gars en armure là à gauche? Pas les scientifiques. Alors, hein. Oui, voilà. Oui. D'abord on va se faire les deux gars qui sont dans la voiture. Moi je prends à gauche. Ok, moi je prends celui qui est devant la roue de voiture, attention. 3, 2, 1, POM! Joli, très voilà. Joli, très bien joué. Ensuite il va falloir, alors... Les scientos. Avant de se débarrasser d'eux, il y a un mec là, juste en face où on est, qui est en train de regarder comme un... Ah ouais, d'accord, je vois. Une espèce de boîte. Alors lui, il faut le tuer avant de tuer les scientifiques. Parce que sinon, il fait le Jedi et c'est foutu. D'accord, parce qu'en fait, leur vision, leur champ de vision, en fait, ne sont pas... comment dire, leur champ de vision... c'est le cône bleu, c'est là où ils nous voient, nous. Mais les cadavres, ils les voient plus loin, en fait. Ouais, ouais, les cadavres, c'est assez compliqué. Donc on essaie d'avoir les deux glandus qui se regardent et qui se parlent. Donc c'est celui qui est à gauche. Alors, ou à droite? D'abord il faut tuer le meilleur. Attends, je vais le faire au pire. Hop. Attends, c'est le gars qui est en haut? Il faut... Là-bas, le gars qui est en train de réparer... Non, juste en face. D'accord, de nous. D'accord, c'est ce mec. Ah bah attends, je l'ai, lui. Y'a aucun souci. Bah, dessoude-le, et puis ensuite il faudra faire les... Attention... Et donc, voilà, il est dessoudé, tu vois, tout s'est très bien passé. Voilà. Ah. Bah du coup, maintenant faites les deux scientifiques. Scientifique de gauche, moi. Attends, une petite seconde. Je ne suis pas prêt. Il y a des singes. J'entends des singes, c'est normal? Ok. Ouais, oui, ils sont dans les... Moi, celui de droite. Ils sont dans les cages. Ah, non, 3, 2, 1... Et pan. Très bien joué. Très joli. Très belle action. Ouais, j'ai peur, hein, je pense quoi. Il y a des petits singes dans des cages. Alors du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avancer un peu. Et il y a deux scientifiques qui vont sortir de là où ils étaient pour aller marcher tranquillement. Donc il faut les tuer en même temps. Si on se mettait sur le côté, en fait, on risquerait rien. Et la sniper ou silencieux? Ils vont quand même sortir. Silencieux. Oui, au silencieux toujours. Bah, vas-y, attends, je m'approche un peu, histoire de servir de plan de secours si jamais. Par contre, il faut les tuer maintenant parce que sinon après ils sont partis. Voilà. Là, ils commencent à bouger. Donc allez-y. Ouais. Voilà, cool. Ils sont morts tous les bien deux. Bien joué, bien joué. Très belle action. Il faut sniper les deux du fond. Ok, bah prends le fusil sniper, écoute, faisons ça sécuritairement. Qui prend le Scientos et qui prend le militaire? Moi je veux bien. Prends le militaire. Je veux bien prendre le Scientos, ok. 3, 2, 1, clic. Bien joué. C'est beau. Et voilà. C'est très très beau. Maintenant vous pouvez lâcher le style. Okay. Bah Bob, tu vas aller hacker le petit machin et oh merde. Ok, bah allons-y. Ah, c'est un mini jeu sympa. Ok. Et pour info, pendant ce temps-là, je me suis pas branlé la nouille, hein. Buté 3 mecs au snipe. T'as séché les mecs qui étaient dans les tours, en fait. Ouais. D'accord, bien joué. Data crack, selling your secret since 1996. Ah, et comment ça marche donc, du coup? Attends, laisse-moi essayer. Si 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 si. Ah, merde. Si. Ok, je comprends. C'est. Ok, j'ai pigé. C'était simple. Passe la camionnette. C'est ouvert. Ah merde, livre. Vas-y, passe la camionnette. Okay. Livraison. D'accord, et donc personne ne va se douter de quoi que ce soit le lendemain quand ils vont trouver 50 cadavres sur les lieux. Si, justement. C'est pour ça qu'il faut que vous montiez dans le truc du labo là. On va se barrer à l'arrière, faut que vous montiez à l'arrière. D'accord. Du coup, Juni monte à l'avant. Monter avec les petits singes. J'essaie de monter, mais il y a des barils en fait devant le truc qui m'empêche de monter. Il faut que vous déplaciez un peu. Voilà, super. Et comment le fait qu'on monte dans ce machin fait qu'ils vont pas se douter? Parce qu'ils pensent qu'on est venu piquer ça. Non, en fait, c'est même plus vicieux que ça. C'est que l'alarme va se déclencher. Mais nous, on va sortir avec ça avant en fait. Enfin, vous allez voir. D'accord. Mais le fait qu'il y ait un camion de plus chez eux, c'est pas gênant.
Bah en fait, comme il est dans le garage, ils vont pas vraiment faire gaffe. Quoi. Ah d'accord. Donc ne tirez pas, ne sortez pas vos armes. Ah oui, faut pas tirer. Ok, très bien. Je comprends parfaitement ce qu'on donc est en train de faire. Donc là, tu vas pépère chez mamie, ouais. Là, on est en train de s'enfuir, clairement. Pour l'instant, l'alarme ne s'est pas déclenchée, du coup, personne ne s'est... Ah, c'est je crois que ça avait fait bip 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 derrière. Et donc là, voilà, il y a l'équipe d'intervention, très rapide d'ailleurs pour le coup, hein, qui arrive. Et on s'est enfui. Et voilà. La perfection parfaite. Eh bah putain, bien joué, victoire. Mais victoire totale. Finalement, la partie la plus laborieuse, ça aurait été d'arriver jusqu'à l'endroit. Ouais. Amazon Torno. C'est ça qui est bon, c'est on ça. On a perdu beaucoup de bagnoles de luxe. Ah, c'est ça, mais ça a été un régal. Hein. J'ai perdu beaucoup de munitions de fusées éclairantes, mais c'était quand même très très fun. Et ben voilà, voilà, c'était la dernière. Oh, j'ai gagné un level. C'était la dernière, enfin la dernière mission de préparation. Demain, chers amis, c'est le grand casse, c'est le grand cash, c'est l'argent qui coule, c'est le bonheur, chers amis. Et sur ce, on vous fait de gros bisous avec Duny, Spaceman. Et Fanta, faites-leur des bisous. Allez, bises. Bises. Oh, et le pouce bleu pour le plaisir de l'amour de l'Otari. Voilà. Non, pas la fleur. Oh oui. Oh oui. Oh, ah non, c'est pas la même. Bon, bien joué, Space. Ah, bien joué. Ah là, je suis fier de toi, là. Je suis fier d'être...